Super, c'est bon là, moi, comme ça. Ça va passer ça? Oui, oui. Hein?
pas obligé. Hein. Tu vas te sentir obligé. Hein. Non, non, par contre, c'est la dernière fois que je fais une route du Rhum avec ce genre de bougie. Terminé. Prochaine fois, c'est avec un gros bateau. Un grand, long et gros bateau. Hein, voilà, avec genre, tu vois, avec une cellule de vie sur cardan, tu vois, où tu es tout le temps. Parce que une semaine comme ça, c'est plus de notre âge. C'est fini, ça. Faut qu'on arrête nos conneries. Sinon, on va tous mourir. Ah bah, de toute manière, on va mourir. Hein. Ouais, mais enfin, pas comme ça. Ça c'est... Oh. Ah bah, écoutez, voilà. Alors là, mais je boirai jamais tout ça. Vous avez partagé avec vos amis. Vous êtes trop gentille et trop mignonne. Félicitations. Merci beaucoup. De toute façon, vous êtes tranquille, il n'y en aura plus après moi, je crois, normalement. Ah non, encore deux en mer. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Yes. Merci. Bravo. 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 Campai. Oui, et toi aussi. Si, je suis la costaud. Oh, tu étais devant moi, là, là, en haut, en haut. Oui. Oh, Hiro. Alors, raconte-nous un peu cette traversée. Eh bien, écoutez, cette traversée s'est très bien passée. Si ce n'est que je suis parti donc avec 6 jours de retard, parce que je suis resté 6 jours à Camaré en attendant que tous les fronts passent. Mais on est parti quand même, et moi j'avais qu'une intention, c'est d'être classé. Donc arrivé avant la fermeture de la ligne, donc qui est demain, donc je suis un peu juste, mais je suis aussi avec le plus petit bateau de la course. Donc je suis très très content d'être là. Voilà, mais je crois que c'est sa dernière course pour lui et pour moi. Maintenant, si je refais une route du Rhum, ce sera avec un bateau beaucoup plus grand et beaucoup plus rapide, surtout. Voilà. Le plus difficile, ça a été quoi ? Le plus difficile, ça a été dégolfer, en fait, dégolfer. Et puis après, moi, j'ai fait une escale aux Açores. Je me suis arrêté 4 heures à Punta Delgada parce que j'avais un problème des tambrés. Mon mât est en train de partir, quoi. Donc, j'ai été obligé de m'arrêter à Punta Delgada. Et cette route, le fait de m'être arrêté à Punta Delgada, ça m'a désaxé en fait par rapport à la route sud qu'il fallait récupérer très vite pour éviter cet énorme anticyclone qui était au milieu. Et j'ai pas pu, et Hiro était comme moi d'ailleurs, on est partis tous les deux à l'ouest et on a slalomé entre les grosses masses anticycloniques. Mais bon, on s'en est sorti quand même, mais ça a été très compliqué et nerveusement et physiquement. Et ce dernier tour de la Guadeloupe, là, en Côte sous le vent, comment ça s'est passé ? Mais là, c'est pas pareil, parce que là, je connais bien, parce que mon père était prof de gym au collège de Baïf pendant 14 ans. Donc j'ai habité à Baïf pendant longtemps et je connais très très bien la côte. Donc moi, je me suis permis même de passer à Malendur entre les baigneurs et les canoës-kayaks, quoi. Donc j'ai fait la route côtière comme il faut faire. Quand il faut remonter, il ne faut surtout pas aller se perdre. Soit on part très au large, à 40 000 du large, et là on a de l'air. Mais sinon, si on ne veut pas aller à 40 000 du large, il faut rester très très près des côtes. Et moi j'ai fait du ras-caillou, parce que je connais bien la côte, quoi. Voilà. Super, merci.